Adrien, est-ce que tu veux invoquer le diable? Vous savez qu'on a lancé l'épisode là? En venant te mettre une abeille juste à côté de moi pendant que je fais les couilles. Ils s'en foutent, l'épisode qui soit lancé ou, ou arrêté, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Bon, Léo, il s'est passé un truc pendant la pause, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis transformé. Ouais, ouais, je crois qu'il en a eu marre. Avec mon copain la mouche. Bon, bienvenue. Bienvenue sur cet épisode 4 d'Objectif Lune. Oh non. Oh, quand tu passes. Attends, mais tu sais qu'il y en a un autre. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y a celui en diamant aussi. Ouais, il y en a un bleu. La pyramide, c'est notre boîte de nuit. Oh, on bouge d'ici, ça craint grave, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Non, tu ne peux pas partir car aujourd'hui tu dois build. Alors on est des constructeurs, nous on fait de l'UBTP depuis au moins 7 ans, donc y'a aucun J'ai pas coup plus 3, posage de briques. Tiens regarde, tu as plein de choses là, je te donne plein de choses, il est où? Non mais arrêtez de me pousser. Alors moi entre deux séances où j'ai crabouillé l'aventurier, j'aime bien faire le carrelage, c'est vraiment mon truc. Putain j'en peux plus. Donc si vous avez besoin, je suis là. Hein. Tiens Léo, viens ici. J'arrive. Regarde. Voici ce que je vous donne, déjà. Ça c'est du bon carrelage, ça j'aime bien. Mais bien sûr, faites-nous une belle maison. Ah, son inventaire est plein, je crois. Je suis rempli de neige. Bien sûr. Moi je passe pas là. Il va falloir revoir mon portail là. Alors attends. Ce n'est pas possible. Pendant ce temps, je casse cette maison. Il y a encore une bête étrange dans nos champs. Je vais la prendre pour le transformer. Il faut que tu parles tout l'épisode. Attendez, il y a des monstres, allons dormir. Vite! Allez dormir! Vous saccagez les champs! Tiens, mais c'est terrible! Vite, dormez vite, y'a les creepers, ils vont tout casser! Non, t'as raison, c'est vrai que j'ai pas dormi depuis. Ok, ah, super. Flying is not enabled on this server. Ils ont détruit les lits! Mais non! Non, c'est juste que vu que le lit il est en l'air, on dirait que je fly. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, au pire, on va mettre des barrières, vous inquiétez pas. Go dormir! On peut pas! Je dors! Mais attendez, enlevez les lits. Oui, enlever les lits, on va les mettre ailleurs. Il a raison, on va les mettre dans la maison, mais on l'a enlevé. Ça, c'est malin. Oui. On va les mettre ici. Pour ça, ce bâtiment, c'est la maison. Oui, bonjour, je viens pour la pose du carrelage. On m'a dit que c'était ici. Allez-y, rentre. J'arrive. C'est ça, attendez, les gars, on a un bâtiment. Mais non, parce que j'étais en train de le casser, justement. Bon alors, ma chérie, ça pas du tout, hein. Vous avez mis des blocs de pierre n'importe comment, il faut tout revoir. Mais je suis en train justement de tout casser pour pouvoir ensuite faire une belle maison. Alors, le lit est pas mal mais un peu petit. C'est très serré. Le rôle fou. Arrête de parler avec cette voix. Ça y est, il est posé. Oh, putain. Dormez les baltringues. Au dodo, vite. Frigiel, y a ton chien qui me fait des trucs. Y'a ton chien qui me fait des trucs, c'est pas possible. Ah, oh, le chien m'a léché la quéquette ce matin. Non. Ça suffit. Au secours. Je joliment construit. Ouais, mais regarde, voilà, on va faire un meilleur truc maintenant. Bria, je suis devenu genre Eudes le beau. Bri, est-ce que tu veux que je t'aide à faire les barrières? Peu cher. Est-ce qu'on a du bois? Non, les barrières, ça ira bien, je vais me faire mon petit machin. On a plus beaucoup de bois, mine de rien. Mais on a des arbres, au pire. Qui m'est arrivé? Ah, des années de... C'est pas la 5 de cœur. Expérience? Non, des années de débauche et d'excès. Ah bah, au moins. Clairement, là, on était sur des années, là. Ouf. Hop. Bon alors Léo, qu'est-ce que tu nous prévois de beau? D'arrêter de dire des conneries. On va peut-être prendre un autre architecte. On va partir sur une anguille. Bah déjà... Une anguille farcie. Putain, il a eu le golem, Frigiel. Moi je voulais le golem, ça avait l'air trop bien. Alors le principe de l'anguille farcie. Je viens de t'aider. Brioche. L'anguille farcie. Brioche. L'anguille farla. J'avais laissé que t'aimais. Viens, on change de serve, on va sur l'île au trésor. On peut pas, on est engagé. On est engagé, pour l'instant on peut pas. Pour l'instant on est en train de faire d'aplanir un petit peu le terrain. Ouais, il faut que ce soit plat. Et ensuite on fait la maison. Très bien. Comme Huguette, c'est bien plat chez Huguette. Ah bon, alors je veux pas savoir. Frigiel t'as changé je trouve hein. Ah là là. Avant le Frigiel d'avant ce serait pas permis.
Oh. Il est fou. Déjà, d'abord, il était raffiné, c'était pas un gros beauf. Non, il était coincé, c'est pas pareil. Avant, j'étais jeune et innocent. Maintenant, il est jeune. Maintenant, il est. Ouais, il innocent. Est. Youtuber. Il s'assume. Youtuber. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est-ce que vous pouvez... Quelqu'un a du bois pour poser quelques coffres de plus? J'ai quelques petits bois, mais surtout je peux vous en prendre ici. Je vais vous en prendre. T'as par contre ton chat qui miaule là? Ça saoule. Mais bouffez-le! Bouffez-le le chat! Non, mais il fait chier, il va sur les récoltes et tout, il faut les tuer là. Mais non, mais non. Frigel, il peut le faire s'asseoir normalement. Normalement? C'est sale bête ça. Ah bon? Tu peux pas le faire s'asseoir? Regarde, il casse tout! Mais c'est voilà. Pas grave, laisse... Tu l'as tué? Mets-le, va le mettre dans un enclos là, il a rien à faire ici. Léo? Sale bête! Oh oh, il est pas content que t'aies fait ça, mec. Allez, là, t'as à pas être content. Allez hop, je peux me transformer en chat, c'est gratuit. Non, tu l'as tué? Alors là. Léo Zandberg Gigi, regarde ce qu'il écrit, regarde ce qu'il écrit! Il est pour la peine, mon gars! Oh, oh non! Oh non! Oh, Frigiel, tu t'es trompé de chien, t'aurais tellement pu faire. Oh, attends. Non, je suis pas si, si, je veux faire le plus grand crossover de l'histoire. Il est précieux. Oui, oui, non. Oui, pour la première fois, mesdames, messieurs, enfin. Regardez-moi ça, enfin. Je suis ce putain de clébard. Non. Est-ce qu'il y a pas écrit Fluffy dessus ce chenil, là. C'est pas grave, on le sait, les gens savent. Les gens savent la vérité. Ah, je peux te transformer en Gigi. Oh putain! Oh, mais brioche, je trouve ça très bien ce que vous avez fait. Dehors les Romano? Les animaux, j'ai dit. Ah, les animaux. Excusez-moi, j'ai des vieilles rêves. Ouais, je pense. Ok, brioche, tu vas être l'architecte, je crois, parce que. Mon mais je fais ce chat. Que je peux, mais. Vous faites ce que vous pouvez, j'ai attendez. Juste fait une barrière. Gigi, mais... couché, arrête! Je vais t'aider à mettre des barrières. Gigi, stop! Ah, les barrières sont posées. Maître! Pas de pâté ce soir. Je vomis. Regarde ce que je te prépare, mon petit. Gigi est malade, qu'est-ce qu'on fait? Il vomit des glaires. Oh non. Amenez-le chez le veto. Oh, l'aide! Tu as fait combien de sorties, pas? Il vomit en hauteur. Ah, tu mets des sorties à tous les coins. Ok. Qu'on soit pas emmerdé quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, un petit géranium. Ça va être bien. Okay. Ça va être très bien. Ça va être très très bien. Voilà, nous avons des sorties à tous les coins. Maintenant, quel est l'objectif? Maintenant, on pose les briques. Maintenant, il va falloir. Alors, attends, vous voulez vraiment. Attendez, vous voulez pas qu'on déplace ce qu'il y a au centre là? Oh là, les briques. Oh là, la maison. On va déplacer tout ça. Il faut qu'on fasse de la place au milieu, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mais oui, parce qu'il y a des. Il y a une dame parmi vous, je dirais pas laquelle c'est, mais il y en a une. La brique rouge. Pour votre plus grand plaisir ce soir. Bien sûr. Oui. Oui, oui. On attendait la suite. Il n'y a pas de suite. Oh invisible. Écrasez-le. Non. Non. Putain, j'en tire. Putain. Ça ne va jamais avancer cette histoire. On ira le dernier. Oh, tranquille comme ça. Non, c'est... Ok, regardez, j'ai tout modifié. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi je suis mort là-bas alors? Est-ce que on allait voir un petit pastaga? Non, à l'embarcadère. Il faut faire la maison. Bon, je vais m'en charger moi-même de cette maison. Moi, j'ai tout donné sur la barrière, vous savez. Aidez-moi. Fano, il n'en peut plus. Aidez-moi avec la maison. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un truc un petit peu quand même, un truc lunaire un peu, tu vois. Allez, on va pas poser des briques ou de la couleur. Moi, quoi. Je veux bien. Est-ce qu'on peut faire chauffer de la pierre? Bah oui, c'est en cours là, regarde. Ça chauffe. Ça chauffe. C'est bien. Oui, mais alors, par contre, Brioche, t'es sûr dans cette matière là? Non, mais on pourra remplacer, tu vois. Ah, donc toi tu es l'architecte, tu poses, tu mets les plans, toi. Good vibes only. Ah, au pire. Non, stop. Vous savez. Pose cette brique. Attendez. Ah, vous êtes sûr parce qu'on était parti sur l'andésite peut-être. L'andésite. Oui, regardez, attends, Léo, tu peux me passer l'andésite. L'andésite. Ah, j'hésite. Ah, s'il te plaît, passez-moi l'andésite. J'ai été plus rapide. Passez-moi donc l'andésite. J'en ai pas. Mais si. Ou alors c'est Frigiel qui est passé dessus. Comment ça? Tout à l'heure c'était au sol. Alors c'est brioche. Ah, moi de l'andésite. Moi vous m'avez de l'andésite, j'ai 8 blocs d'andésite. Mais c'est pas possible, ils sont où les blocs d'andésite? Ah non, c'est vrai, j'ai un polichon d'andésite là. Voilà, merci. Regardez, est-ce que c'est pas plus beau ça?
Ah, mais posez ce que vous voulez. Écoutez, moi j'ai une idée. Vous me donnez votre avis. Moi je trouve qu'il y a eu plein de bases qui ont été faites durant les saisons, mais un truc qui n'a jamais été fait, c'est une base en hauteur. On pourrait se faire une immense tour avec des bras, des salles dans tous les sens et tout. Et on pourrait justifier que, genre, tu vois, il y a un bras à gauche, mais que. Enfin, ça tienne grâce à la gravité, on pourrait le justifier comme ça. C'est grave. Mais dans deux sites, on en a pas assez. Non, mais on ira en chercher dans les crottes, t'inquiète pas. Non, mais là, c'est juste pour le sol, là, pour le début, je sais pas, pour la base. Moi, voilà, c'était la hauteur, là. On a qu'à faire un millefeuille. Regarde, on inverse une couche et une couche. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, vraiment? Bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, Oui, on peut partir là-dessus. Je pensais peut-être mettre un peu de la neige aussi, non? Ou du fer? Oh God! Ah, je ne sais pas. Il a survécu! Mais arrêtez donc de faire vos plongeoires! J'en peux plus. Quel pénible! C'est un pénible! Mais je m'attendais pas! Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tu casses tout, Brioche? Non, Brioche, c'est pas pareil ici! Mais parce que c'est mieux qu'elle fait, c'est pas beau. Ok, très bien, je remets ça ici, comme ça. Des années sur Minecraft pour ce move. Regarde, c'est bien là. Et là ensuite, faut imaginer qu'il y a une tour ensuite. Ouais, c'est pas bête hein. Ah, on va faire ça sur plusieurs étages. Ok, très bien. Attendez. On met de la cobble. Ah non, vous voulez vraiment pas de cobble. Non, vous avez encore déplacé les fours, c'est fou. Vous avez encore déplacé les fours. Mais oui, on a encore déplacé la cobble. Attendez, parce que j'ai des blocs de fer moi, donc on pourrait peut-être faire des choses. Non mais tu débloques Stéphano. Écoute, je t'emmerde. Encore des blocs. Wow. Écoute, au bout d'un moment. Il dit tout le monde que tout le monde pense tout bas. Oui, avec la voix de Mickey. C'est quoi Mickey? Alors, Mickey. Calmons-nous s'il vous plaît les enfants. Ah, la monétisation! Il y a deux name tags ici encore. Il y a deux name tags? Ah, bon, c'est bien. Ouais. C'est bien. Comment ça fait les briques? Non, mais. Comme ça, là, les stone briques? On a plus de charbon, hein? Ouais, les briques. C'est avec de la stone. C'est avec de la stone, mais de la stone comment? De la stone que. Putain. La Rolling Stone! 4 stones! Non, putain, je me suis planté, j'ai fait des iron traps! Planté. Oh. J'ai fait mon brioche. Il a fait des bêtises. J'ai fait mon brioche. Planté. Oh. Ça tue Fluffy, ça fait des iron traps. Hein. Oh non mais je me sens mal là, je me sens nul. Je me sens mauvais. Putain, je t'ai pas visé. Nul. Ouais. Nul, remboursé. Ah mon dieu, je peux pas passer là. Regardez, hop. Parce qu'elle est vraiment lunaire là, mais on n'était pas censé faire un truc en hauteur. Mais si, mais ça c'est le premier étage. C'est le premier étage. D'abord on va faire le premier étage et ensuite ça monte. À chaque épisode, un étage. Allez, bon. Peut-être pas non plus, mais. Par contre, ça là, qu'est-ce que c'est en fait cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, par contre, on n'a pas assez de fer, disons-le. Alors on peut peut-être utiliser la neige plutôt. Le sol en neige. Oh oui, quelle bonne idée. La brioche, c'est encore toi qui a la neige, t'es passé dessus tout à l'heure. Mais je passe sur tout le monde. Mais oui. Donnez-moi le sol. Donnez-moi s'il vous plaît la neige que vous avez. Attendez, je me transforme en spécialiste du carrelage. Amenez-moi le carrelage. C'est pas ça que je veux. Non, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu mets. Mais what the fuck? Mais oui. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème? Mais pourquoi tu mets de la neige au sol? Mais on me dit mets la neige. Est-ce qu'il y a carrelage en neige? Vous voulez. Ah ouais? Vous êtes chaud pour ça? C'est bizarre, non? Mais non, c'est moche, hein. Ah, c'est du carglass! C'est très bien le. Moi, je pense que l'intérieur. Rappelez-vous d'ailleurs la saison 1, sauf Brioche, on avait du bois à l'intérieur. Mais oui, parce que c'était. L'intérieur est chaleureux. Passez moi de l'espace, je suis en train de récupérer. Passez-moi la neige, s'il vous plaît, déjà. J'aimerais remplacer les murs. Vous êtes qui pour critiquer mon. Vous arrêtez vraiment la neige? C'est pas une mauvaise idée en vrai. Mais attends, il faut faire les. Moi j'essaie déjà de faire les côtés. Les técos. La vraie astuce, c'est. J'ai un point de côté. Un damier de bois, les chers amis. Ah, lui il a des idées. Écoutez-le, c'est quand même lui qui a fait le tortotel. Brie! J'ai ma médaille! Je suis un vrai animal de compagnie maintenant. On dirait que t'es un thug, tu sais, que t'as des grosses chaînes en or. Je sais pas si c'est mieux avec la neige en fait. Vous pouvez m'aiguiller, mesdames, messieurs? Aiguillez-moi, c'est mieux avec la neige ou c'est mieux avec le. C'est pas mal la neige, non? On la met où la neige? Sur les murs là, regarde, Free. Soit en fer, soit en neige, qu'est-ce que tu préfères? Moi je préfère en fer, mais bon. Mais ouais, le fer ça va être chiant, on en aura pas assez. Bah oui. Mais en vrai, je préfère pas, je préfère aucun des deux. Attends, quoi? Ah, tu veux pas un petit peu de blanc à l'extérieur? Si. Il a pas l'air fou. Il a pas l'air fou. Je veux du quartz. Je suis chiant. Bon, je vais laisser pour l'instant le fer. Je préfère le fer, effectivement. Qui a laissé des arbres voler là?
Hein? J'enlève ça. Du coup, t'es partant pour ton. T'es partant pour ton damier là? Et du coup, c'est quoi, c'est Damier Boisneige? Damier Boisneige, quoi? Mais n'importe quoi! Il était sympa lui, hein! Boisneige, c'est bien aussi ou quoi? Damien Boisneige. C'est pas possible ça! C'est Damier quoi? Boisneige, Boisneige! Plus loin que la nuit et le vent! Donc là, Frigiel, il est parti vraiment sur un délire comme ça! Boisneige! Attends, c'est pas fini! Très bien, qu'est-ce qu'il va mettre là? Et jamais ne revient! Ça, c'est quand, on est bientôt sur la version finale, regarde. C'est quand le fait, ouais. C'est pas en boîte de nuit. Mais sur tout le sol, tu veux faire ça? Attends, mais en quelle version? Ah non, on peut pas, oui. Ah si, 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 mais non, mais c'est après, on peut pas là. Ah, c'est complètement Je décalé. Sais ce que tu voulais faire. Le rendu est horrible. Comment ça le rendu horrible? Ah, j'ai pas le sentiment que c'est... Mais non, regarde. Dis-moi, Free, tu veux pas mettre de la brique? Non, le sol en bois, ça rend pas du tout bien, je trouve. Quoi? Attends. C'est un truc bien. Qui me gêne en fait, à cause des bordures du bois. Bah oui, je voulais les enlever, mais on peut pas. Bah mais c'est super chiant du coup. Parce que ça fait un truc bizarre. Y'a que moi, ça choque un peu. Si, non, ça me choque aussi. J'aime pas du tout. Voilà, y'a un truc. Bah moi, je voulais enlever les bordures, mais on est à point 1.13 alors. Mais en vrai, regarde, tu mets de la neige à la place. Bah neige, bois neige. Ouais, bois neige. Bois neige. Le loin. Sinon, on met de la brique. Non, ouais, non, franchement, là, je m'insurge. Là, je m'insurge à un moment donné. Là, j'ai tué une bête que j'ai vue dans les airs et je ne vole pas. Alors, mesdames, messieurs, non, vraiment. La neige, c'est très bien. Croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'ancienne. Un bloc de chaque. C'est quoi l'ancienne? Non, mais la neige, c'est bien. Et vous arrêtez de faire chier. Qu'est-ce qu'il faut? Mais non, mais on va pas faire ça. À l'ancienne. C'est quoi à l'ancienne? Non, mais non. Voilà, regardez. On allie esthétisme et praticité. Non, pitié, c'est moche. C'est... On peut explorer des blocs. C'est bizarre ce que vous avez fait. Mais mettez un plancher de bois. Non, je sais. Vas-y, Brioche, il le sait. Vous mettez les planches partout et les bûches au bord. Ouais. Oh là là, l'enthousiasme. Non, si, en vrai, pourquoi pas? Faisons un sol en bois. Vous en pensez quoi? Et là, c'est où qu'on chope de la terre à côté? Il faut que ce soit. En fait, je pense qu'il faut que ce soit chaleureux à l'intérieur. C'est là sur la terre à côté. Moi, je pense qu'il faut que ce soit chaleureux. Ouais, je pense que là. D'ailleurs, on a toujours pas fait la blague sur du bois, je suis étonné. Non, ça c'est trop facile. Ok, très bien. Du bois, neige, bois, neige! Ok, bon. En vrai. C'est spécial. Oui. Mais. Du coup, on fait avec quoi? En fait, je trouve que le cul est plat. Attendez, deux secondes. Vous trouvez pas que le cul est plat? Le cul, ça fait pas tout. Mais regardez l'arrière, vous trouvez pas que l'arrière est bizarre? Déjà, ça manque de vitre. Hein. Là, oui, non, mais là, attends, tu permets, oui. On est un peu dans un bunker. Regarde, les vitres, elles apparaissent. Comme par magie. Des vitres? Là, ici, elles apparaissent ici. Mm-hmm. Attendez, voilà. Du coup, vous faites vraiment tout en bois? Mais moi, je suis pas du tout convaincu de son truc là. Mais c'est pas très beau le bois. Ah si, ouais, c'est vrai que c'est pas très beau le bois. Bon, en attendant, moi je fais quelque chose. Bon, en attendant alors, vas-y. Où est-ce que tu verrais Oh. Alors le problème, Brioche, c'est que là il faudra des blocs pleins du coup. Mais pourquoi? Mais attendez. Parce que sinon, là, ça sera bizarre. Mais vous avez vraiment pété mon. Ton quoi? Bande de malades. Quoi? Les œuvres d'art. Hein? Qui a fait ça? Elles sont mes œuvres d'art. Qui a cassé mes œuvres d'art? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? On avait besoin de place, hein. Ah non, mais oui, quelqu'un les a cassés, je crois. Brioche, c'est toi. Ce n'est pas moi. C'est vous, Bri. Mais oui, c'est moi. Mais c'est Bri depuis le début, c'est Bri. C'était moi depuis le début. Vous aurez remarqué qu'absolument tout est de la faute de Bri. Même ce qui est bien. La peine dans le monde. Sauf ce qui est bien. Attendez, je décore. Attendez. Eh, je suis quand même impressionné qu'on ait démarré vraiment la construction, c'est fou. Hein. Ah, c'est fou, hein. C'est quand même fou. Franchement, j'aurais préféré continuer à exploser en tour. Et dites-moi, Desid, vous êtes vraiment pas chaud? La police? La police! Ah, la police! Ah, la police! La police en Desid, regardez, c'est ça, je vous montre. Ouais, là, c'est beau. Ah, mais il y a. Il y a où, la police? Pas au sol. Ah, non, mais c'est vrai qu'il y en avait déjà ici, donc c'est bizarre. On a dit que c'était froid et vous vouliez du chaleureux. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en chaleureux? Qu'est-ce qu'il y a comme truc chaleureux, Brioche? Le seul truc bien, c'est la sandstone, hein, mais. C'est très chaleureux. Ah, la sandstone pourrait rendre très bien. Bah oui, mais on en a pas. Là, t'as du sable, toi. Là, t'as du sable.
Y'a du sable là? Y'a pas de sable, on a pas de sable. Pas de sable, monsieur, pas de sable. Oui, mais. Pas de sable, pas de sable. Ah, d'accord, d'accord, mais on en a un petit peu du sable, non? Et bah voilà! On en a 6! Regarde! Je sais, mais wow. Je sais très bien que si je jouais à Sunset, ça sert à rien de poser 6 pour savoir. Okay. On a que 6. C'est pas beau. Oui, non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh, c'est pas si mal! Il y a des petits côtés, voilà. Attendez, il y a de la petite. J'ai trouvé. Oh, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ça. Alors. Nul! Nul, nul, nul! Nul, 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 les chiens enlevés en plus! Il a mis de l'opsy? Oui! Ah, il a mis de l'opsy. 5-4, hein, si vous voulez. Non! Je sens que vous n'êtes pas totalement convaincu. Non, non, on n'est pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu, surtout pour les fenêtres de la brioche. Écoutez, si vous êtes convaincu de rien, je vous invite à le faire. Ok, d'accord, 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 calmez-vous. Oh là 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 là. Ne vous énervez pas, super brioche. Quel mais où est le sable? Non, mais y'a pas un endroit où y'a du sable, genre en masse? En vrai, est-ce que dans le donjon, il n'y en avait pas? Il y avait beaucoup de glace. Y'a un zombie dans l'autre champ. Que tu veux? Ah, Brioche, tu vas pouvoir te transformer avec moi? Bah, je t'en prie. Ah non, mais je veux pas être un garde du corps, moi. Oui, non, mais moi, j'ai pas envie de rejoindre les gardes du corps. Il est vénère. Attendez, un peu, je vais mettre. Ah, il faut un peu le bordel en plus. Il faut le bordel. Il a tout coupé, Jean-Eude. On va appeler la police. Hein. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, les amis. Mais c'est vraiment temporaire. Après, on mettra du relief. Hein. Bien évidemment. Personne ne me vole mon skin. Il faut que ce soit temporaire. Bien sûr. Temporiser. Bien sûr, c'est temporaire. Je peux réparer un peu ce que j'ai parce que c'est pété là. Ah, heureusement qu'on a mis des barrières. Hein. Ah, mais il a deux têtes celui-là! Il faut pas les barrières ouvertes. Fermez les barrières. Ah mon dieu, mais les barrières! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ogre qui a attaqué. Ouais, j'ai raté un épisode. Ouais. Ouais, ouais, alors, ouais j'ai deux têtes, Frigel. Non, mais attends, laisse, tu voulais pas? Vous pouvez pas faire un grand portique pour quand t'es en mode gros? Je sais pas, je sais. Voilà. Ouais. Là, ça. Bah, c'est vite fait, hein. Non, mais y'a pas moyen de faire genre une double barrière, tout simplement? Ça si pas une double porte. On pourra, on pourra. Je sais pas si je suis très convaincu finalement des trucs en. En fer. Mais bon, ça change en deux secondes au pire, donc c'est pas très très grave. Faudrait déjà qu'on finisse le sol. Frigel, finissez le sol. Ah voilà, c'est bien comme ça. Finalement, je m'y fais à ton sol. Merci. Voyez. Alors. Mais c'est l'idée de Frigel, pas la tienne, Brioche. Ça marche pas. Bien sûr, bien sûr. Réécoutez l'épisode. Mais je sais. Il est vénère. Ouais, la brioche, il en. Attends, Léo. Vous l'avez vénervé. C'est quoi cette porte là? C'est dégueulasse. Quoi ça, c'est dégueulasse? Qu'est-ce qui est dégueulasse? C'est quoi cette double porte là? C'est horrible. Frigel vient. Ça ici. On arrive. Le crew des mecs chelous. C'est horrible. Frigel vient dans le crew des mecs chelous. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que cette. T'as vu, on passe pas, on est trop gros. Ah merde. Je suis sûr que je passe moi. Eh oui, je passe. Salut. Il avait fait un. Salut. Non, mais par... Mettez-moi un F5, c'est grandiose. Ah ouais, non, mais c'est beau là, c'est magnifique. Oh, ça vole pas cette merdaille du coup. Hein. Bah non, du coup, ça vole pas cette merdaille. Et vous voulez voir un truc marrant? Dis-nous. Non. J'ai une belle tresse. D'accord. Ok. D'accord. Allez. Ou alors j'ai deux têtes. C'est pas un truc marrant. Attendez, sur... Ah oh mon dieu. On avait dit non. Oh merde. Allez, mais c'est le pouce rouge. Non, t'as pas cassé les lits, ça va. Est-ce qu'on a encore du bois? Je vais en prendre. Bah, ça pas pousse. Beaucoup, je vous avoue. Mais ah, ça permet de voir ma barre de vie. Ça en fait, pousse, Brioche, et on pourra farmer pour les prochains épisodes. Et j'arrive pas à enlever les bûches de cet arbre là, y'en a trop. Bah c'est bon là, voilà. Hop là. Non, il en reste, sinon il despawnerait ce truc de marde. Ah, l'autre truc là! Vous parlez. Ça y est, ça suffit. Ok. Mesdames, messieurs. Oh, c'est fini. Je vous prie de rentrer dans la maison, venez. Je vous demande de vous arrêter. Je me demande où est-ce que nous pourrions. Je propose qu'on déplace les coffres. Oh, alors ça par contre. Oh, c'est la merde. On rentre tout dans la base. Par contre, on va vraiment laisser. Excusez-moi, on va vraiment laisser la double porte de Léo. Ah non, alors ça c'est hors de question. Ah, bah, bravo Léo. C'est même pas ça, moi qui t'ai posé. Bravo Léo. C'est freak, elle est escroc. C'est pas possible ça, Léo. C'est moche. J'ai mis les coffres ici. Comment on peut faire ça avec les coffres? C'est quoi fortune? Oh non, mais dites donc, fortune c'est génial, ça permet de démultiplier les ressources. Vous savez pourquoi vous en avez? C'est un château qui est très riche.
Mesdames, messieurs, bonjour. J'ai un petit problème de coffre. Si quelqu'un le voit, s'il peut venir m'aider. Je suis pleine comme une. Oui, comme une dame au matin. Mais du coup. Oh, alors écoutez, à un moment donné. Mais par contre. Je l'ai pas dit. Par contre. Enfin, si, je l'ai à moitié dit. Eh, mais en fait, on rebondit sur les lits. Par contre, tu as fortune du coup. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Mais tu sors ça d'où? T'as fait fortune? Je détiens la fortune. Tu détiens la fortune, très bien, très bien. Tu vas où? Regarde-moi faire, regarde bien. Wouh! Attends, là j'aurais surtout besoin. Waouh! Essaye! Si je pouvais applaudir, je l'aurais fait. Tu rates quelque chose. Moi? Non, lui. Ah, très bien. Moi? Moi, je rate? C'est vrai? Oh. Moi? Je crois moi. Oh non, on est reparti. Mais on a beaucoup trop de ressources là. Les coffres ne se mettent même plus. Il faut qu'on trie un petit peu. Trions. Parce que là, il y a beaucoup trop de choses. Il y a une lettre qui est pas bonne, mais c'est pas mal. Ah non, mais les coffres là sont vides. Suis-je bête? Trie tous les jours. Il faut qu'on casse du coup tous ces trucs. On sera bon. Après, il faudra aussi qu'on rentre l'élevage. Ah, les salopes d'animaux. En fait, il faudrait promontoirer le promontoire jusque là-bas. Et tu me stresses en creeper, toi. Pourquoi il faudrait promontoirer le promontoire? Merci. Pourquoi voulez-vous promontoirer un promontoire? Mais en gros, tu les fais passer, tu vois. Ah, mais on pourra, ça. Nous pourrons, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est en train de vraiment tout ramener, et ça, c'est beau. Ah, mais il est en train de les faire passer. Mais il est fort, ce brioche. Qu'est-ce qu'on ferait sans brioche? Encore péter des creepers. Ok, bah c'est vrai. Alors par contre, non, ce coffre-là, je ne le valide pas, il n'a pas sa place. Nous avions un coin spécial. Je propose qu'on le mette, voilà. Bah ici, ça me paraît très bien. On va prendre les fours. Des fours à l'intérieur aussi. Oui, ils arrivent, monsieur, ils arrivent. Ils sont en route, regardez. Bien joué ça, monsieur Fano. Mais... avec le Hanvil. Mais oui, avec le fameux Hanvil, bien sûr. Hanvil et Gretel. Oh non. Vous n'aviez pas droit. Les animaux prennent place. Et moi je trouve qu'on a quand même un truc plutôt stylé. Oh, c'est le meilleur skin, je bouge plus. Qu'est-ce que t'as? Oh putain. Eh mais dis donc. Ça va pas. Est-ce qu'on peut te tailler la laine? Je peux pas rentrer, mais... Voilà, eh mais Free, regarde cette maison comme elle est bien mise là, quand on se retourne. Il manque que la table d'enchant, mais on n'a pas la cana encore, mais on a peut-être un bouquin. Allez, ça suffit. Non, on n'a pas la canne encore. T'as mangé le magno, toi? Faudra qu'on trouve la canne. T'as mangé le magno? Il a mangé le magno? Il a mangé le magno. Ah, c'était la ferme. Vous aviez ouvert la ferme. Oui, pour qu'elle sorte vers mais le oui. Mais c'est on bien. A plus de moutons. Tu as les deux magnos. Mais si, ils sont là, les... Quoi? Ben non, il y en a un, c'est Léo. Attends, où est Léo? Il en reste un. Oh non, mais Léo. Où est Léo, le magno? Deviens magno, s'il te plaît. C'est bon. Voilà, tout va bien. Attends, reste vers moi. Ah, je ne peux pas te tailler. Oh mince. Eh ben, il faut espérer très fort qu'on retrouvera dans un donjon des œufs. Eh ben, je veux voir une imitation de magno. Vas-y. Oh, ça, c'est moche. Vas-y, mets-moi un coup. Non, pas toi. Oh, je mets-moi un coup. T'es en train de tout trier, Free, ou je rêve? Bah ouais. Je suis pas sûr. D'accord. Par contre, les animaux, est-ce qu'on les mettra quelque part ensuite? Bah, ils peuvent vivre avec nous. Pour bouger une vache. Ah, il faut qu'on vive avec eux, du coup. Très bien. Ils peuvent. Bon, bah écoutez. J'ai vraiment besoin de magno. Brioche, quel temps d'épisode? Oula, on atteint. Oui, je crois qu'on est à 24. Ah bah vous avez tout faux, on est à 29, donc nous allons nous avancer. Et ça passe vite quand on s'amuse, hein. Ah bah là. Alors excusez-moi, par contre, c'est prévu que la vache, que les animaux soient dans la maison? Ça, j'ai aucune idée, hein. Ils sont leur volonté. Ils sont survolés. Alors excusez-moi, il y a des choses, mais quand même. Je savais pas. Je les jette. Quand même. Oh bah j'ai du verre, hein, finalement, hein, s'il y a besoin. Finalement j'ai trouvé. J'avais un coffre, il y avait plein de trucs dedans. J'ai pris exprès une ressource qui ne compte pas pour ne pas faire de bêtises. Bien sûr. Je voulais voir comment ça marche. Moi je vais aider Brioche ici à tout casser et ensuite on pourra s'arrêter. Il faudra remettre des petits portillons aussi là, à la place des grands trucs. Ouais, je sais pas où ils sont passés. Les grandes guiboles. Elles doivent être dans les coffres. Le petit portillon.
Ah mais j'en ai une sur moi là, j'en ai une déjà. Sous les yeux et ils y sont pas. Bah j'en ai une, mais la deuxième je l'ai pas. Moi je trouve qu'on a fait, on a fait un grand progrès aujourd'hui. Alors je suis pas encore convaincu du truc blanc là, enfin comment dire, du fer que j'ai moi-même mis. Hein, finalement je n'en suis pas forcément convaincu. De l'intérieur oui, mais de l'extérieur pas forcément, je sais pas. Tu creuses pourquoi Léo du coup là? Par contre la grosse bite en haut là, c'est normal ça? Brioche. C'est artistique. Est-ce qu'il faut une raison? Moi j'ai mis un buste. C'est vrai, vous pouvez vaquer. Attendez. Vaquer? Vaquer l'élé. Vaquer. Mais arrête. Vaquer bene. T'as compris, vaquer l'élé, c'est parce que moi je m'appelle Léo. Vaquer l'élé. Là. L'élé. 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 C'est vrai. L'élé. Là. Et ça, il faut le rentrer aussi. Rentrer! Rentrer! Vaquer l'élite. Ah, élite. Et il faut le mettre ici. Franchement, je trouve qu'on a... Bon, à part l'œuf, là, à part les animaux qui sont chez nous. Sinon, je trouve que c'est franchement pas dégueu. Hein. Les animaux, faut les respecter. Ouais. Hein. On aurait pu aller vivre dans la pyramide, quand même. Allez. Non, non, je sais bien, on a un début, on tient quelque allez, chose. L'intérieur est très cosy, je trouve. En vrai, venez tous à l'intérieur, rassemblons-nous pour la fin d'épisode, mes frères. Oh, enlevez vos habits. Est-ce qu'on n'est pas tous très cosy, je trouve, là, à l'intérieur? Mettez-vous tous nus. C'est quand même j'ai très. Pas, c'est quand pas même... de place pour. Ah j'étais sûr qu'il allait faire ça. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Bon, nous allons vous laisser là pour cet épisode 4 d'Objectif 1. Déjà, l'épisode 4, ça passe vite. On espère que ça vous aura plu. On essaie de, voilà, d'avancer quand même un petit peu sur les objectifs, tout ça. Et puis, bah écoutez, ne tue pas les animaux, ne tue pas les animaux. N'oubliez pas de liker comme d'habitude, de vous abonner, d'aller voir les chaînes des participants. Et puis le mot de la fin, cette fois-ci, sera pour Frigiel. Merci Frigiel. Il n'y a pas de bonheur pour l'homme. Il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil qui a mangé et à se réjouir. Il est même pas capable. Magnifique. Allez, on vous dit à très vite. Portez-vous bien et allez voir les aventuriers de l'île au trésor perdu. Allez, ciao.